Enfin, Madame la députée de Sainte-Rose, je vous cède la parole pour votre déclaration. Merci, Monsieur le Président. Nous avons le grand plaisir aujourd'hui d'accueillir une délégation lavalloise d'une trentaine de membres de l'Association québécoise des retraités des secteurs publics et parapublics. Forte de ses 28 000 membres, très actifs et engagés envers les aînés, l'Association est présente dans toutes les régions du Québec. Sa mission principale est de promouvoir et de défendre les droits et intérêts économiques et sociaux de ses membres, tout en s'assurant du maintien et de l'amélioration de leur qualité de vie. Ce sont des hommes et des femmes de cœur qui ont gardé la foi dans leurs idéaux et qui continuent de s'impliquer pour la société dans laquelle ils évoluent. Pour eux, la retraite est une réalité dans laquelle se conjuguent vie active, vie sociale, solidarité, enthousiasme, envie d'avancer et de faire avancer leurs semblables. Longue vie aux membres de l'AQRP et merci de votre implication citoyenne. Merci, Monsieur le Président. Alors, merci à vous, Madame la députée de Sainte-Rose. Voilà qui met un terme à la rubrique déclaration des députés.